David ! Et il n'y a rien de drôle. Il y a eu un accident. Et Samy, il est mort. Ça fait bizarre de te voir comme ça. De quoi ? D'habitude, t'es tout gêné. Parce que c'est un personnage, Mika. En fait, il y a des fois où je ressens juste beaucoup de colère, tu vois. Je sais pas, je me dis, on a vécu trop de trucs ensemble. C'est lui qui a pris tout ça, surtout, tu vois, sur lui. Moi, j'étais petit. Allô ? Quand ils étaient jeunes et qu'on leur demandait ce qu'ils voulaient faire plus tard, Tom, Clara et Jam n'avaient pas encore d'objectifs précis. Plutôt des rêves standards d'enfants. Mais David, lui, avait toujours su ce qu'il voulait devenir, ce qu'il voulait faire de sa vie. Putain, mais merci, mais c'est énorme, c'est terrible, ça fait super longtemps que j'attends ça avec mes potes. Merci, merci beaucoup, on va se donner à fond, on va faire un truc de malade. Merci beaucoup, merci. Putain! Putain! C'est infaisable. Et là, c'est très bien. Un très beau projet. Vous avez une jolie somme d'argent, mais vous n'avez aucun moyen de rentrer dans vos frais. Attendez, je comprends pas. Même avec l'aide qu'on a eue, c'est pas bon? Parce que j'ai déjà fait des projets. Sans argent, on s'en sortait très bien. On s'en sortait. Oui, mais là, vous avez de l'argent. Et l'argent, ça transite. Vous comprenez? Non. Bon. En gros, l'argent, ça se gère. Et là, clairement, vous ne vous rendez pas compte des réalités. Donc ça veut dire que c'est pas du tout concevable pour le prêt? Et non. Et non, en effet. Pas de prêt. Mais vous avez du culot. J'aime bien. Mais je fais quoi, moi, du coup, là? J'annule tout, c'est ça? Je rends l'argent? Non! Vous revoyez tout à la baisse. Ou bien vous recommencez tout. Ou bien vous faites autre chose. Vous êtes créatif, non? Y a pas moyen, y a pas un dossier à remplir, un... Écoutez, vous, c'est les mots. Moi, c'est les chiffres. Et le fait que vos mots dépendent de mes chiffres, ça, c'est la vie. Attendez. Tenez. Bonne journée. Bonne journée, ouais. Quand on dédie sa vie à sa passion et que rien ne donne autant de satisfaction que de créer, la meilleure façon de contrer le syndrome de la page blanche n'est-elle pas de la maculer du sang de notre existence? Bonjour, monsieur. C'est ce qu'il croyait. D'accord, mais le dossier il était validé quand même. Parce que j'arrive pas à aller sur le dépôt en ligne. Non mais nous on est associatif, donc on est éligible à cette subvention logiquement. C'est pas de la télé, hein, c'est pour le web. Pour internet. Allô? Allô?
David, 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 David. Pour la séquence 2, du cas, le moment où Antoine se justifie, tu sais, je pense que je vais changer la réplique, elle sonne faux. Ça te dérange pas? Oh, tu t'en bats les couilles de ce que je te dis ou quoi, là? Non, pardon. Ok, on fait comme ça? Il reste des bières? Non, c'est fini, y'a plus rien. Ça va? Ça se passe après pas? Pas trop de tension? Ça va, hein? Ah, merci en tout cas, c'est cool d'avoir... La vie reprend toujours son cours. Mais parfois, le passé nous rappelle à l'ordre et le présent semble s'altérer. Kikou ici. Viens, Kiki, viens. Excusez-le. Fifi? Fifi? Tom? Tu te souviens pas? Ah oui, Tom! Oh, ça va, Dylan? David. David, oui, excuse-moi. Ça va, c'est pas grave. Alors, ça va? Ouais. Tu fais toujours de la musique? Ouais, je fais toujours de la musique, ouais. Mais là, en ce moment, avec David, on est sur un petit truc. C'est une petite série, ça. Un petit truc. Ah oui? Ouais. Ah ben, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Et la musique, alors, toujours? J'aimais bien ta musique, tu sais. J'écoutais souvent avant. Ouais. Bon, allez. Bonne musique, les gars. Faites attention à vous. Allez, viens, Kirikou. Viens, Kiki, viens. C'était lui, le mec avec Sony? Ouais. Ça répond pas? Non. Ah, clairement, faut qu'on passe tout de suite à la suite, sinon on peut pas rentrer à la séquence. Je sais, mais de toute façon, avec les indispos de Tom, on peut pas faire autrement, donc... Moi, je peux demander à Jérôme, un jour de plus, ça dérange pas. Mais putain, on a tout là! On a le matos, on a la perche avec Billy, enfin. Les gars, moi derrière, j'ai le montage, j'ai la post-prod à faire, c'est pas possible, faut tourner maintenant là! C'est quoi? On continue d'attendre? Attends. C'est lui? Allô? Oui, Dadou, j'ai trouvé une vieille caméra au fond des placards, avec des cassettes! VHS. HS AG Standard. TDK. Allô? Ok, allez, action! Attends, mais t'as même pas fait ta bulle, mec. Vas-y, on s'en fout, là, sérieux, on y va. Action. Je sais pas combien, je te l'ai dit mille fois, je sais pas combien. C'est bon, mais... s'il vous plaît. Action. Mec, c'est la dernière fois que tu me la mets à l'envers, ok? Mec, tu sais pas de quoi il en retourne. Qui en retourne, déjà? C'est ce que tu m'as dit de dire. Je suis énorme. Vas-y, reste à la caméra. Allez, on remballe. Ah putain, excuse-moi. Mika. Ah, tu dors? Pourquoi tu dors tout le temps comme ça? À cette période, j'aurais voulu être plus présent pour lui. J'arrive. Ça va, mon chéri? Ouais. Ça avance? Ouais. Oh là là, ça cocotte. Tu trouves? Et puis en plus, tu ouvres les fenêtres en grand comme non, ça. Non, 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 pour rien, pour rien. C'est parce que j'ai chaud un petit peu là. Je me suis pris un coup de sang. Il y a un acteur qui devait venir, que j'avais contacté sur Facebook et qui est pas venu. Enfin... Oh mince. Ouais. Regarde, je t'ai apporté la caméra. Ouais, c'est vieux, ça. Et les cassettes. Ok, il y a quoi dessus? Ah, ça, je sais pas. C'est surtout tes parents qui vous filmaient quand vous étiez petit avec ton frère. Ah. Ok. Il y en a une neuve, c'est stylé, ça. C'est nickel. En tout cas, si ça peut te rendre service pour ton cinéma, hein, mon acteur. Mmh. Mmh. Bonne nuit, Mimi. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu crois que Mika déteste toujours papa? Qu'est-ce que tu racontes? C'est ton ami qui a eu un accident? Ouais. Enfin, c'était pas vraiment mon ami, je le connaissais pas plus que ça. Je voulais lui rendre hommage.
tu te couches pas trop tard, hein? D'accord? Tu sors ce soir? Non, 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 faut que je bosse. Bonne nuit. Quand l'inspiration nous échappe ou que la peur nous saisit, deux options s'offrent à nous. Se forcer à se confronter au réel pour réagir ou négocier du rap de sommeil pour s'en cacher. Comme alternative, David se défonçait au rêve éveillé. C'est pas qu'un peu qui fait beaucoup. Hey, il a une autre chanson, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est bien fermé, sinon. Allez, on va qui pue. C'est vrai? Mais non. Tu passes pas du tout bien à la caméra. On n'est pas à l'abri d'un petit viol. Vous pouvez pas faire un petit viol. De toute façon, votre bière, elle est dégueulasse. Donc moi, je me casse, je vais la pisser dans un buisson à côté du bar, ok? Mais tu peux pas pisser debout, toi? Au revoir, madame, pardon. Allez, vas-y, selfie-moi. Yo, oh, on est allez. Oulé. Et non, y'a. Allez. Allez, ça. Et là. Faut j'aille pisser. La nouvelle service. Oh, ça va ou quoi? Putain, t'es un escargot. Est-ce que t'as déjà eu l'impression de voir le monde autour de toi? Exactement similaire. Mais silencieux. Et que le son existe uniquement si tu décides qu'il existe. Mais tu comprends pas? Tu comprends pas que t'es dans ma tête? Je pense à toi tout le temps. Tu m'obsèdes. Mais tu dis ça à toutes celles que tu croises. T'es un dragueur. Tu vas t'amuser comme tu l'as toujours fait. Tu vas t'amuser et tu vas... Ça marche pas comme ça, mec. Et coupé. Merci beaucoup. C'est bon du coup, elle était bonne? Ouais, elle était super, mais on en avait déjà une bonne, donc c'est bon. T'es sûr? Y a pas moyen d'en faire une autre? Vas-y toi, arrête de gratter des pelles comme ça, c'est ça. Non, mais c'est bon, ça va le faire. Du coup, merci à tous d'être venus, vous pouvez retrouver la parole. C'est une fin de journée, soirée, tournage, donc voilà. La mairie nous a laissé les locaux pour qu'on puisse faire un petit after pour les figurants, après. Donc je vous demanderai juste de faire super gaffe, et c'est Tom qui va nous enjailler ce soir. On va mettre le feu, là! Je vous le dis, moi. Merci à tous. David? Ah. Bon, c'est super ce que vous faites. Ben, merci, c'est vraiment génial pour la salle. Merci. Avec plaisir. Tu sais, c'est une petite ville, on n'a pas souvent des projets comme ça, surtout portés par des jeunes, donc... Puis je t'avoue qu'un des conseillers municipaux a vraiment soutenu le projet. Je te laisse, David. Ça marche. Bonne continuation. Yes. Tu es un responsable pour les clés. C'est bon, j'ai vu avec Jam et Tom, logiquement, c'est bon. Bon, je te dis à très vite alors. Merci beaucoup, bonne soirée. Franchement, je pense pas que c'est un souci de caractère. Les gens se connaissent pas entre eux. On s'arrête toujours sur la première impression. Au final, si t'as pas parlé avec quelqu'un, comment tu peux savoir quoi que ce soit sur lui? Non, d'accord, mais pour elle, je te promets, c'est vraiment pas pareil. Tout le monde le dit. Mais toi, t'as parlé avec elle? Non, mais Marie, ça les potes avec elle depuis le primaire, donc bon. C'est quoi? Je demanderai à Marie. Mais c'est pas Marie, c'est Maris. Salut. Ah, salut. Alors, ça va? Je pensais pas que t'étais toi à l'aise pour gérer tout ça. Ouais, ça va. Enfin, je savais pas que t'étais dans la figuration. Je vous aide en régie, en fait. Putain, merde, c'est vrai? Ouais. Putain,
je suis désolé, j'avais tellement de trucs en tête en ce moment, j'ai pas du tout fait gaffe, pardon. Tu comptes le manger? Non, même pas. Je sais pas pourquoi je... Quand je réfléchis à des trucs, j'ai besoin de... Je sais pas. Faire des trucs avec mes mains, ça c'est un peu bizarre. Hein. Je sais pas si tu captes. Ouais, enfin, je vois. Bon. C'est bizarre quand même, non? Ouais, enfin, de quoi? Je sais pas, il y a quelques mois de ça, on enterrait quelqu'un et... Là, on fait comme si de rien n'était. On continue comme avant. Désolé, je dis n'importe quoi. Karin, il y a quoi, David? J'en sais rien, moi, là, je pisse. Non, sérieux. Non, je sais pas, tu sais, le côté dépressif, c'est de famille. Hein. Sa mère est comme ça, son frère aussi. Il a un frère. Ouais! Non, en vrai, meuf, il t'aime bien, David. C'est pour ça qu'il est chelou. Non, ça, c'est les piles. D'habitude, j'aide pas les jeunes à cloper, mais bon, puisque vous m'avez vu rouler tout à l'heure, c'est plus vraiment grave. Monsieur, je vais être tout à fait honnête avec vous. J'ai aucune idée de si vous êtes réel, voilà. Vous savez, vous me faites vraiment penser à moi quand j'étais plus jeune. Ça m'étonnerait, ça. Regardez, vous me poussez au vice. Si vous voulez pas, vous le faites pas. Hein. C'est marrant l'efficacité qu'on a à formuler pour les autres, qu'on n'arrive pas à s'imposer soi-même. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui n'arrive pas à se projeter, qui n'arrive pas à s'imaginer vieux, qui a l'impression qu'il va y passer trop tôt? Mais je lui dirais que moi aussi, je pensais que j'allais crever jeune. Que je voyais le temps passer. L'oisiveté qui va avec. Et puis je me disais que j'allais pas tenir longtemps. Je me demandais comment ils font, ces vieux cons. Ils ont vécu tant de choses, tant de temps, tant de joie, tant de peine. Et puis... Quand je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de règles, pas de solution miracle, et ben j'avais leur âge. Moi, ce qui m'a aidé, c'est de trouver ma vocation. Trouver ce pour quoi j'étais fait. Quelque chose qui prenne aux tripes. Puis aujourd'hui, ben j'ai ma vie. J'ai mon âge. Je suis plus vraiment tout jeune. Mais c'est ma vocation. Puis vous, vous avez de la chance, David. Vous avez un beau projet, vous avez une belle énergie. Alors, si vous croyez pas en vous, croyez au moins en ça. Reposez-vous. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as là? Arrête de forcer comme ça là, putain! Eh gros, toi tu dois forcer sur quelque chose. T'as vu ta tête? Wesh, j'ai très bien un problème, dis-moi c'est quoi? Vas-y, qu'est-ce que t'en sais de ce que j'ai dans la tête toi? Le même sang, les mêmes tripes, la même famille, ça te rappelle quelque chose ou c'est comment?
Bien sûr, je vois. Allez, vas-y, lève-toi, prends-en un. Casse-toi, vite, là. Oh, frérot. Casse-toi, là, putain. Allez, là. Casse-toi. Et viens, on charme avec quand on était petit. Tu kiffais, non? Ouais. T'arrives à rigoler. Hein? Tu vas jamais gagner. En vrai. Sérieux, mec? Ouais. J'étais un gamin, là. Ah ouais, t'étais un gamin, mais maintenant, regarde. Épaulette, petit manteau, barbe. Bah, frérot. T'es un homme, maintenant. Mm-hmm. Tu vas pouvoir me niquer. La vie de ma mère. Quoi, la vie de ta mère? La vie de ma mère. Hop là. 1-0. T'as vite, t'as vite. Il est où? Je vais te défoncer, mec. Ah ouais? Ah, je vais t'éclater là, je vais te défoncer. Tu vas me défoncer qui? Ah, je vais te défoncer tout. Prends le dessus, prends le dessus, je me mets dodo, frérot. Vas-y, fais le bon. Putain, ça fait longtemps, hein. Fais le bon. Ça fait longtemps. T'étais petit comme ça, je veux pas dire. Mais maintenant, y'a plus personne. Putain. Viens, ça va. Viens! Alors, frérot, hey, tu savais que tu gagnerais pas, non? Tu gagneras jamais. Hé, hey, petit rire, je vais à ta resto, tu me zingues pas, là. Voir s'il n'y a pas des petits coups de pizza, un peu de whisky. Et tes copines, elles sont pas des grandes sœurs aussi? Oh, ta vie. Jouer à cache-cache, à rêver dans le réel, on finit par ne plus distinguer la notion du temps et l'ordre des choses. Tout finit par se mélanger. C'est peur du passé, c'est peur du futur, et c'est peur du présent. Ce qui le tourmentait, c'était de ne pas savoir s'il était plus conscient que le monde qu'il ne comprenait pas, ou au contraire inconscient d'être en inadéquation totale avec le réel. Parfois, il avait peur d'être fou. À vrai dire, il existait des probabilités purement génétiques. À cette période, j'aurais tellement voulu être là pour lui. David ! T'as tellement l'air de tout le temps te prendre la tête. C'est parce que je pense au fait que tout peut s'arrêter. J'ai peur du temps qui passe. J'ai peur de voir des gens disparaître. J'ai peur de disparaître. Alors t'as peur de vivre ? C'est ça la vie, David. Et tu te la bousilles en pensant comme ça. J'essaye de trouver un sens. Mais tu vois, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi parfois je suis aussi mal à l'intérieur. Pourquoi parfois j'arrive à me combler de simples détails. Mais je perds le contrôle quand je pense à tout le reste. C'est quoi tout le reste? Tout le reste, tout. Le monde. La vie, la mort, la peur, les cris, la haine, la colère. Les imprévus, la violence. Les accidents, la vie, la mort, tout, rien. Le vide, ça me fait peur. Et je sais qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi. Quand je suis dans la merde, je m'y complais. Et j'arrive à motiver des perspectives, tu vois. Mais là, tout va bien. Tout va bien. Je suis là, je broie du noir. J'attends le retour de bâton, tu vois. Parce que je sais que ça va arriver. Je sais que je vais perdre des gens. Je sais que je vais souffrir encore. C'est la vie, tu vois. C'est pour ça que je peux pas m'arrêter, je dois rien lâcher parce qu'à n'importe quel moment Mais David, tu peux pas penser comme ça. Tu peux pas. Ta vie, elle est régie par juste l'idée de ce que tu vas laisser, ce que tu vas faire, ce qui va rester de toi sur Terre. Mais tu gâches ta vie comme ça. Et si on pense comme ça, on grandit jamais. On devient jamais adulte. Thank you.
peux pas garder tout ce mal pour toi. Je sais pas, t'as bien des gens à qui parler ou un moyen de relâcher tout ça. Ouais, cher moyen. Tu sais, je comprends vraiment le fait qu'on ait envie de tout accomplir, tout faire, très vite, pour y regretter. Mais la vie, c'est des étapes. Et qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous imprégnez de tout pour avancer. Ça va aller pour rentrer. Ça va aller. Faut que je me calme un peu. Ça va. Merci. On ne sonde pas toujours le pouvoir qu'a l'esprit sur le corps, sur nos vies. Si j'avais su ce que traversait David, si j'avais su ce que traversait notre père et mamie après cet événement, j'aurais tenté d'empêcher ça. C'est fou, non ? Tout ce que peut cacher un sourire.